Faut pas trop que je me le dise que ça fait 10 ans. Surtout ça. Pour éviter de me désespérer de retrouver un jour Matisse. C'est une affaire comme on n'en trouve sûrement pas d'autres. On n'a pas de dossier où l'on sait qui est l'auteur de la disparition et qui est responsable dès le début. C'est la disparition d'un enfant, c'est la douleur d'une mère et c'est l'obstination d'un père. On a le point d'interrogation qui reste toujours. Qu'a-t-il fait de l'enfant ? Dans l'actualité, une disparition inquiétante, celle d'un père et de son fils de 8 ans à Caen en Normandie, un père qui aurait dû ramener le garçon à sa mère dont il est divorcé. Les enquêteurs craignent un enlèvement et peut-être pire, un appel à témoins vient d'être lancé. Nous avons des inquiétudes pour l'enfant et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cet appel à témoins pour obtenir tout renseignement utile sur l'enfant et sur le père. Sa voiture est retrouvée le 10 septembre à La Hons dans les Pyrénées-Atlantiques. 7 jours après son départ. Par colis postal, il envoie son téléphone portable à ses parents, ainsi qu'une lettre dans laquelle Sylvain Joanneau évoque des complices sûrs et puissants. 3 mois plus tard, il est interpellé à Villeneuve-les-Avignon. Il est seul. Il ne veut pas dire où se trouve son enfant, mais assure qu'il est en vie. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. Et pour la première fois, Nathalie Barré, la mère de Matisse, apparaît devant les caméras, en détresse. Elle qui vient d'apprendre que son fils la croit morte, après un mensonge de Sylvain Joanneau. Le plus dur maintenant, c'est qu'on a retrouvé son papa, mais qu'on ne sait toujours pas où est Matisse. Et donc, avec qui ? C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'il est en danger et je ne sais pas où. Nous sommes inquiets sur le sort de cet enfant, ne sachant pas du tout dans quelles circonstances, dans quelles conditions il peut se trouver hébergé ou retenu chez des gens. Il a toujours dit qu'il ne donnerait pas le nom des personnes à qui il a confié Matisse parce que ces gens lui avaient fait confiance et ça les conduirait à la casse-prison. On sait que Joanneau, lui, est allé à La Hons. On sait qu'on l'a retrouvé près d'Avignon. On sait qu'il a erré à droite à gauche et avec des creux dans l'emploi du temps. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il a fait de Matisse. On ne l'a jamais vu depuis le jour où il a pris Matisse. On ne l'a jamais vu avec son père. Jamais. L'enquête est internationale. Du Vatican au Canada en passant par le Maroc, Matisse est recherché quasiment partout. On s'est intéressé à des communautés éventuellement qui auraient pu le prendre en charge. On s'est interrogé vis-à-vis d'associations qui auraient pu venir là aussi au soutien d'un père qui revendiquait ses droits. 4 ans plus tard, on a un procès où on se dit « est-ce qu'on va enfin savoir ?» Et il y a eu une intensité dramatique durant tout ce procès. On était suspendus aux lèvres de Sylvain Joanneau et à terme de ce procès, on n'a pas su et on ne sait toujours pas. Et on se demande où il est, s'il est toujours en vie. Et c'est en ça que c'est une affaire incroyable parce qu'elle ne se finit jamais. C'est vraiment la première affaire dans laquelle on voit ce mutisme et cet enfermement de l'accusé sur sa position. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour enlèvement et séquestration, Sylvain Joanneau a gardé son secret. De son côté, Nathalie Barré obtient des photos vieillies de Matisse réalisées par une association travaillant avec le FBI. C'est ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est ça. Plus que les années. C'est de le voir vraiment concrètement, avec un visage d'adolescent, maintenant plutôt côté adulte, parce qu'il a 18 ans, quoi. Donc, c'est ça vraiment qui me fait mal. Si un jour je le retrouve, on aura raté tellement de choses tous les deux que heureusement qu'il y a encore les enquêteurs, il y a encore. Je veux pas que ça s'arrête, ça. Tant qu'on n'a pas retrouvé Matisse et qu'on n'a pas une réponse à des choses, on n'arrêtera pas l'enquête. Est-ce qu'il est toujours en vie? C'est la question que moi je me pose très régulièrement et voilà. Est-ce qu'un jour on saura? Raison pour laquelle une information judiciaire pour homicide contre X a été ouverte en 2013. En détention, Sylvain Joanneau a accepté de correspondre avec nous. Et dans cette lettre, datée de juillet 2016, il dément avoir tué son fils. Matisse est tout ce qu'il me reste. Il est celui qui me permet de supporter la situation actuelle. S'il devait lui arriver quelque chose, plus rien n'aurait de sens. Je préfère avancer et me dire que je retrouverai Matisse un jour et que, quelles que soient les années...
Ça changera rien à ma motivation. Elle en a fait son combat.